À Daloa, l'organisation Soco de Vie et ses partenaires, l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire et la fondation Paul Gérin Lajoie ont procédé au lancement du projet Initiative Femmes et Communautés Cacaoyères, IFCC. Ce projet d'une valeur de 13 millions de dollars canadiens, soit 6 milliards de francs CFA, sera exécuté dans les zones est et ouest de la Côte d'Ivoire. On va vraiment allier nos expertises pour appuyer les communautés et les coopératives cacaoyères sur plusieurs thématiques. L'égalité des genres, l'éducation, le renforcement des capacités des coopératives, l'agriculture intelligente face au climat et également la gestion des risques agricoles. Ce projet est effectivement largement pour les femmes, mais en fait est pour les communautés cacaoyères, donc l'ensemble des membres des communautés, pour les rendre plus résilientes, plus prospères. Les populations bénéficiaires du projet IFCC saluent cette initiative de Soco de Vie qui vient améliorer les conditions de vie des communautés productrices de cacao et particulièrement celles des femmes et des jeunes filles. Nous sommes très en joie puisque nous-mêmes on va se prendre en compte même. Nous sommes heureuses même d'être là. Le projet Initiative Femmes et Communautés Cacaoyères a une durée de 5 ans. Il devra profiter à 5 000 femmes, parmi lesquelles 1 500 jeunes filles.